Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo astuces, voilà, des astuces qui facilitent le quotidien. Alors c'est pas du tout des astuces que j'ai inventées, c'est des astuces que j'ai vues soit sur YouTube, soit sur TikTok principalement, soit sur Instagram, donc que j'ai noté au fur et à mesure pour pouvoir vous les présenter. Donc il y en a certaines que j'utilise depuis très longtemps, que je connaissais déjà, et d'autres que j'ai découvertes, et je me suis dit que ce serait sympa de vous faire une petite vidéo avec tout ceci pour celles qui ne les connaîtraient pas. Donc c'est accompagné de mon petit cappuccino que je vais vous présenter toutes ces astuces. Alors j'en ai sélectionné vraiment beaucoup, vraiment beaucoup, que j'ai écrit au fur et à mesure sur mon petit carnet. Donc je sais pas trop si cette vidéo sera une vidéo spéciale astuces ménage pour voilà, se faciliter la vie, ou est-ce que ce sera une vidéo astuce de la vie en général. Mais dans tous les cas, si c'est juste une vidéo astuce ménage, je vous en ferai une autre avec les autres astuces que j'ai pu trouver. Donc je vous le redis, je n'ai rien inventé, je pense que je suis un petit peu comme tout le monde et que je cherche toujours de nouvelles astuces, de nouvelles organisations pour me faciliter le quotidien. Donc c'est chose faite, j'en ai trouvé quelques-unes que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est parti! La première astuce, ça va être une astuce pour gagner de la place. Voilà, moi franchement, je mets tout le temps les sacs les uns dans les autres et ça me prend énormément de place puisque bah, on a énormément de sacs de ce style de sacs de course Kaba. Du coup ici, j'ai décidé de vous montrer deux petites, on va dire deux petits pliages que j'ai trouvé. Un avec la hanse qui ressort comme ceci pour pouvoir l'accrocher. Et un autre pliage avec la hanse, voilà les deux petites moignées, à l'intérieur pour pouvoir placer ça dans une boîte de rangement, que ce soit plus harmonieux, plus esthétique, et aussi surtout pour gagner un maximum de place. Comme vous voyez, c'est tout petit, c'est trop mignon limite, ce pliage, et voilà, rangé dans un panier, au moins on sait toujours où retrouver nos sacs de course. Si on les plie ainsi ou si on les range voilà, tous ensemble dans une même boîte. Mais si vous êtes comme moi et surtout si vous me suivez sur Instagram, vous savez que moi toute ma vie j'oublie mes sacs de course, mais vraiment je me retrouve toujours le chariot plein et la voiture pleine mais sans sac de course. Du coup j'ai décidé d'investir dans ces petits sacs qu'on voit un petit peu de partout et je vous les mettrai en barre d'informations pour celles que ça intéresse, je les ai pris sur Amazon. Pour la seconde astuce, voilà, c'est une astuce que j'ai trouvée franchement super on va dire ludique ou ingénieuse même, mais vraiment en fait c'était bateau, mais il fallait trouver. À chaque fois quand on utilise le papier aluminium, il a tendance à bouger et du coup on peut pas faire une coupe droite, et en fait sur les côtés vous avez deux petits trous qui s'enfoncent et qui vont maintenir le rouleau de papier aluminium pour pouvoir faire une coupe plus nette. Franchement j'ai trouvé ça top. Et sachez que ça marche également pour le film alimentaire. La troisième astuce concerne les paquets d'emballage, que ce soit céréales, pain de mie, brioche, voilà tout ce qui est un petit peu comme ça, qu'on doit fermer avec des clips ou avec les petits, vous savez, clips qui sont fournis avec les pains de mie mais qu'on perd tout le temps. Il suffit juste de tourner l'emballage sur lui-même et ensuite de l'envelopper comme ceci pour pouvoir protéger ce qu'il y a dedans, mais que ça ne soit pas trop dur pour les enfants de l'ouvrir comme quand on le ferme avec un nœud bien serré. Ensuite, la quatrième astuce concerne les paquets de céréales. Pour les refermer d'une autre manière que celle que l'on connaît habituellement, vous faites deux petits plis sur les côtés et ensuite vous arrachez les deux petits bouts de carton qu'il y a tout en haut de chaque côté et à rabattre les languettes du dessus vers l'intérieur. Et franchement, je trouve qu'il est super bien fermé, plus que quand on rentre le dessus dans la petite languette, là, vous savez. Et au moins, ici, il n'y a rien qui risque de tomber. Et si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas trop laisser les emballages voilà, à la maison, vous pouvez aussi opter pour une boîte spéciale céréales. Donc celle-ci, je l'ai achetée chez Action, il me semble, pour 1 ou 2 euros et qui est bien plus hermétique. Ensuite, pour la cinquième astuce,
que j'ai vu sur TikTok et que j'ai trouvé sympa, qui permet de fermer un sac congélation sans clips, comme vous avez vu juste avant. Moi, je ferme mes sacs congélation, soit je les mets directement dans des sacs de congélation avec zip, soit je les ferme avec un petit clip. Et ici, le but est de couper en V au milieu du sachet et pas sur le côté comme on a l'habitude de faire, et de refermer en faisant un nœud. Et ça tient très bien, sans clips. L'astuce numéro 6 que j'ai vu sur Instagram, sur un compte déco, d'ailleurs avec qui j'échange de temps en temps, c'est Interior Farmhouse, qui consiste à recycler soit des papiers pour, vous savez, les essuie-tout, soit des cartons de papier toilette, pour avoir cet effet comme ça de rideau, bien dessiné, bien bouffant, avec cet effet vague, un petit peu comme on retrouve souvent chez les Américaines d'ailleurs, ou voilà, dans les comptes déco qui fait trop beau. Et donc du coup, ça consiste juste à mettre entre chaque vague un papier de rouleau de toilette, ou peu importe, comme je vous ai dit, que vous allez découper chaque taille pareil de préférence, et voilà ce que ça donne. Vous voyez, de l'autre côté c'est tout serré, et de ce côté-ci ça fait bien cet effet vague et qui donne un beau rendu au niveau des rideaux. Donc vous pouvez aussi couper le cylindre en deux pour le mettre directement, voilà, sur le clipser en quelque sorte, sur la tringle. Moi, j'ai sorti la tringle, mais c'est pas nécessaire. Pour l'astuce 7, c'est vraiment un objet qui a facilité mon quotidien depuis un certain temps. Ce sont les aspirateurs robots. Je vais vous en montrer un. Donc ici, j'ai l'aspirateur Yeti Hybride 2. Donc c'est un aspirateur laveur. Deux en un. Voilà, il a une navigation intelligente, le contrôle avec Alexa, et c'est un aspirateur qui est super pour tout ce qui est poils d'animaux, tapis, sol dur. Et il a une grande autonomie au niveau de la batterie, environ 200 minutes par charge. Donc une fois qu'il est déchargé, il va à sa base pour se recharger tout seul, et il reprend intelligemment là où il s'est arrêté pour se recharger afin de continuer le nettoyage complet. Il est livré avec une petite station de recharge ici. Vous avez également deux brosses latérales et vous avez une lingette principale qui se trouve ici, ainsi que 5 lingettes jetables. Voilà, et vous avez également l'aspirateur Yeti 2 hybride. Vous avez sur le dessus, comme vous pouvez voir, une grosse caméra en fait, où vous devrez scanner le QR code. Je vous montrerai juste après. Et ici, j'ai ouvert le couvercle pour vous montrer. Ici, vous avez le réservoir à poussière qui se trouve juste ici, juste en soulevant le couvercle. Vous avez également le bouton démarrer, le petit bouton reset. Pour vider le réservoir, c'est hyper simple. Vous avez juste à lever le petit loquet gris et à sortir le réservoir de son emplacement. Voilà, et ensuite vous le replacez. Vous avez aussi à l'intérieur de ce petit capot une petite brossette, donc qui est grise, contrairement au Vac Max qui était blanche. Donc ça, c'est sympa, qui est un petit emplacement comme ça pour ne pas la perdre. Et bien sûr, vous avez le réservoir à eau où vous devez juste enlever le petit couvercle ici en silicone pour mettre de l'eau. Voilà, et ensuite la lavette, elle viendra se clipser dessus. Donc on en a fini avec la petite présentation. Ici, j'ai démarré en appuyant sur le petit bouton rouge, petit clip rouge. Donc moi, j'avais déjà installé l'application étant donné que j'avais l'aspirateur VacMax. Voilà, sinon vous allez devoir télécharger l'application, mettre démarrer avec le petit clip rouge. Ensuite, vous allez appuyer une seconde sur le petit reset. Voilà, donc l'application ici, comme vous voyez, j'avais le VacMax. Ensuite, je vais ajouter le Yeti 2 hybride. Tout simplement pour pouvoir cartographier la maison, pour pouvoir le démarrer à distance. Il vous suffira juste de le connecter à votre réseau Wi-Fi et suivre les indications. Ensuite, il va vous générer un QR code et vous avez juste à le scanner sur la caméra. Scan successful. Vraiment, c'est hyper simple, hyper fluide. Il y a juste à suivre ce que nous demande l'application. D'ailleurs, j'ai trouvé que c'était un peu plus fluide pour le Yeti Hybride 2, pardon, que pour le VacMax. J'avais un petit peu galéré à connecter le VacMax au niveau de l'application. Donc voilà, et une fois qu'on arrive à la connecter, donc on est sur l'interface du Hybride 2.
Ensuite, quand on retourne l'appareil, donc vous avez les deux petites brossettes avec leur petit code couleur comme ça, vert et rouge à clipser sur chaque côté. Ensuite, vous avez les deux grosses roues, donc elles sont vraiment grosses, c'est bien ça pour les tapis, en fait, pour les gros tapis. Puis vous avez la brosse du milieu, la brosse centrale, voilà, et vous avez aussi là où il faut clipser la lavette. Ensuite, eh bien, on retourne l'aspirateur et on a juste à lancer l'application depuis le téléphone. Donc il n'y a pas de télécommande, mais c'est pas gênant. Sur l'application, vous avez les mètres carrés qui ont été nettoyés, le temps qu'il a fallu pour le nettoyer. Franchement, il a une puissance d'aspiration qui m'a agréablement surprise. Il a 3 puissances d'aspiration. Et vraiment, d'ailleurs, pour vous dire, je suis surprise par le Yeti 2 hybride que par le VacMax. Pourtant, celui-ci est moins cher que l'autre. Mais je trouve qu'il est mieux niveau, on va dire, qualitatif et au niveau de l'aspiration. Ici, il a 2 brosses latérales, donc c'est vrai qu'il a un travail plus précis. D'ailleurs, vous pouvez le voir au niveau des traits sur le tapis. L'aspiration, elle laisse vraiment ces petits traits, vous savez, satisfaisants qu'on peut voir de partout sur les vidéos YouTube. Au niveau des modes, vous avez le mode normal, donc celui que vous allez utiliser tous les jours. Vous avez le mode Mac. Un peu plus intensif justement pour les moquettes, les tapis, etc. Et pour finir, on aura le mode boost, donc qui va aller un peu plus en profondeur. Donc il va avoir besoin de faire 4-5 allers-retours dans la maison pour pouvoir cartographier votre maison. Comme vous pouvez voir, il ne laisse rien au hasard, vraiment il va dans tous les recoins. Je vais vous montrer un petit peu au niveau des puissances d'action. On a bien entendu le passage de la puissance standard à la puissance boost. Donc voilà, comme je vous ai dit, un aspirateur laveur également. Il a également les anti-chocs et les anti-chutes également. Voilà, pour ne pas heurter des éléments, des meubles ou pour ne pas tomber des escaliers par exemple. Et bien sûr, une fois qu'il a terminé son parcours ou alors qu'il est déchargé, il va retourner à sa base pour se recharger. Et une fois qu'il a fini sa charge, il va terminer son travail. Donc ici, je vais vous montrer un petit peu la cartographie qu'il a faite chez moi, le parcours qu'il a fait. Et ensuite, je vais le mettre en mode serpillière pour vous montrer un petit peu également ce que ça donne en mode serpillière. Donc ici, vous voyez hein, en direct. Il est en train de cartographier, donc comme je vous ai dit, il va lui falloir bien sûr 4 ou 5 passages pour pouvoir enregistrer la superficie de votre maison, de votre appartement. Et ensuite, vous pourrez gérer les zones interdites ou à éviter. J'ai rempli le réservoir à eau. Voilà, je vais clipser la petite lingette sur le socle, voilà, du réservoir à eau. C'est hyper simple, il y a 2 petits trous comme vous pouvez voir, il y a juste à clipser. Et la petite différence ici, c'est que maintenant sur certains rebonds, dont celui-ci, vous pouvez régler le débit d'eau, et ça franchement c'est super. Sur l'application directement, vous avez une variation au niveau du débit d'eau, donc vous pouvez directement régler soit un débit minimum, soit un moyen débit, soit un fort débit. Et ça, franchement, c'est plutôt intéressant parce que je me dis qu'au maximum du débit, la lingette, elle doit être bien imbibée et ça doit bien nettoyer. En soi, si je dois vous en conseiller un entre le VacMax et le 2 hybride, ce sera le 2 hybride. Pour ma part, je l'ai bien plus apprécié que le VacMax, même si les deux, on va dire, en soi se valent. Mais vraiment, celui-ci, il est moins cher et je le trouve un peu plus efficace, un peu plus performant ou un peu plus précis peut-être, voilà, que le VacMax. Dans tous les cas et comme d'habitude, je vous mettrai le lien direct en barre d'informations pour celles qui seraient intéressées. Tous les produits que je vous présente, vous les retrouverez également dans mon Amazon Shop. Voilà, directement dans mon Amazon Shop section aspirateur si c'est pour les aspirateurs. Et il y a plusieurs sections, cuisine, etc. Tout est en barre d'infos et je vous mettrai également un code promo. Et n'oubliez pas que le Black Friday arrive bientôt. Donc si vous avez un achat à faire, que ce soit aspirateur, robot ou peu importe, n'hésitez pas à le faire à ce moment-là. Les réductions sont plutôt pas mal et en plus avec des codes promo, c'est avantageux. D'ailleurs, je voulais annoncer sur Instagram, restez connectés. Bientôt, je vais faire un concours pour gagner un aspirateur robot. Donc, ça y est, je l'ai reçu. Voilà, je vous le présenterai rapidement pour qu'il reste bien propre. Et je vous annoncerai ça bientôt. Donc, restez bien connectés.
Ensuite, on passe à une autre astuce, donc la huitième. Il s'agit d'un spray désinfectant multisurface, franchement, qui me sauve la vie. Surtout quand on est dans ce genre de période de, on va dire, bon, Covid, mais ici, c'est, l'hiver est arrivé pratiquement. Donc, vous connaissez les grippes, les rhumes, les gastro. Et ce genre de spray, franchement, c'est super bien pour vaporiser un petit peu de partout, interrupteur, WC, poignet, etc. C'est vrai qu'il n'est pas donné, mais quand il est en promo sur le Leclerc Drive ou chez Leclerc, j'hésite pas à en prendre 2-3 d'avance. Franchement, c'est vraiment, vraiment utile ce genre de spray. Et c'est à laisser agir sans nettoyer. Donc, une astuce que je vous avais présentée il y a, il me semble, un an dans ma chaîne, c'est comment placer les blocs WC. Donc, moi, je les mets plus par-dessous la cuvette, comme ceci, parce que ça bouge, les enfants le font tomber. Je les mets directement dans le toilette. Voilà, et ça tient très bien et ça ne bouge pas du tout. Donc, pour cette astuce-ci, la dixième, franchement, j'ai déplié ma table pour la nettoyer. J'étais choquée de voir ce qu'il y avait entre... je la déplie jamais habituellement. Hein. Voilà, j'étais choquée de voir ce qu'il y avait. Je me suis dit, c'est obligé, je dois vous montrer ça. Franchement, j'étais tellement choquée, mais j'ai décidé justement de vous montrer. Voilà, ça colle vraiment. Vous pouvez pas l'enlever sans frotter fort. Mais moi, j'ai un produit vraiment miracle que je teste depuis un certain temps. C'est le produit four de la marque Shogun. Il me sauve tellement la vie depuis que j'ai connu ce produit. Je l'utilise sur tout ce qui est tâches incrustées, difficiles à enlever. Et ce qui est super super bien, c'est que en fait vous n'avez même pas besoin de frotter. Vous allez voir, là j'en ai pchité, on va dire, je ne sais pas trop comment on dit. Voilà, j'en ai mis un petit peu partout et je vais juste passer sans frotter, comme vous allez voir. Vraiment, je caresse, hein. Et j'en ai fait couler partout sur les côtés, ça c'est pas grave. Voilà, vous voyez bien que ça part directement sans avoir à frotter comme une acharnée. Alors qu'avant, je me tuais vraiment à frotter super fort et limite, j'arrivais pas à tout ravoir. Et je vous montrerai ce que ça donne aussi sur le four. Vraiment, ce produit, il est magique. D'ailleurs, je teste en ce moment tous les produits de la gamme Shogun. Je vous mettrai en barre d'infos le lien si vous voulez aller jeter un œil à ces produits. Vraiment, ils sont top top. La onzième astuce, elle concerne la poubelle. Si vous êtes comme moi et que vos enfants font à chaque fois rentrer le sac poubelle dans la poubelle et qu'à chaque fois on galère à le ressortir parce qu'elle est pleine et qu'elle est tombée à l'intérieur et qu'on se prend des trucs de partout sur les mains, c'est super dégoûtant. Du coup, j'ai décidé de mettre sur les deux côtés des petits... des petits embouts ou des petits des petits autocollants, tout simplement, pour maintenir les ficelles sur les côtés. C'est des petits autocollants que j'avais pris, il me semble, chez AliExpress ou je sais plus trop. J'essaierai de vous les mettre en barre d'infos, pareil. Mais franchement, c'est top top. Vous pouvez même les utiliser pour les cadres, pour plein de choses. En fait, ça vous évite de percer de base. Mais moi, je les ai utilisés ici pour maintenir le sac poubelle. Douzième et dernière astuce, si vous êtes comme moi et que vous oubliez tout le temps vos jetons ou que vous n'avez jamais de monnaie, de pièces de 1 euro ou de 50 centimes, alors sachez que vous pouvez juste utiliser une clé à bourron, voilà, la mettre à la place du jeton et ça se déclipse hyper facilement, comme vous pouvez voir ici, et la clé ne reste pas du tout bloquée. Vous pouvez faire le test sans souci. Je vais remettre pour que vous puissiez voir la clé s'enlever très facilement. Le petit clip, ça, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Et une fois qu'il est enfoncé, j'ai juste à reprendre ma clé. Voilà les amis, c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Comme je vous ai dit, c'est pas du tout des astuces que j'ai inventées, mais juste que je voulais vous partager, d'ailleurs que vous retrouverez soit sur TikTok, soit sur Insta, soit sur YouTube. Voilà, et il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'en ai noté vraiment beaucoup. D'ailleurs, il y a même une soirée où je me suis fait une liste d'astuces et tout comme ça à vous partager. Je vais vous montrer un petit peu pour que vous puissiez comprendre. Voilà, vous voyez ? Ça c'est tout ça, c'est que des astuces et c'est pas la seule page, hein. Donc voilà, je vous en ai partagé un petit peu aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si vous avez des astuces au quotidien qui vous facilitent la vie, voilà, que ce soit des astuces de tous les jours ou que ce soit des astuces spéciales ménage. N'hésitez pas à me mettre ça en commentaire, hein. On est toujours à la recherche de nouvelles astuces pour s'organiser, pour aller plus vite dans notre ménage ou pour se faciliter la vie. N'hésitez pas à me laisser un commentaire également pour me dire si vous connaissez ces astuces, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao !